for all you've done for me, for all you've given me. Take all the glory, Lord, that's what you deserve. This morning and just begin to bless his holy name. Tell him thank you. He's a grateful God. Thank you, Lord Jesus. For all you've done for me. For all you've done for me. For all you've given me, Lord. For all you've given me. Take all the glory, Lord. Thank you, Jesus. That's what you deserve. Hallelujah. Put those hands together for Jesus. Worship him for all he has done for you. And all he has given you. He deserves all the praises. Hallelujah. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi.
de mon salut en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. Il est avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. Acclamez pour Jésus. Il est en vie ce matin. Et il est la raison pour la saison. Alléluia.
the reason I live is to worship. Lift up your hands this morning and just gaze into the loveliness of the throne of grace. Worthy this morning, energy. Regarde, contemplate la beauté du Seigneur, hallelujah, for all that He has done. Quelques jours de la nouvelle année. Few days more into the new year. Nous allons prendre donc
ce temps de prière pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant cette année 2021. We are going to take this time and pray thanking God for all that he has done for us from the beginning until this time. Nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie durant cette année 2021. Lift up your voice and we are going to thank God for all that he has done for you from the beginning until this time of 2021. Et à la fin de la prière, notre frère Emmanuel donc viendra ouvrir le culte. At the end of the prayer, Brother Imam will do the opening prayer. Donc élevons nos voix et prions, remercions l'Éternel. Let us lift up our voice this morning and pray. Thank you. We thank you, God, for all you have done for us this morning. We thank you, God, for the privilege, oh God, to be in your presence this morning. We thank you, God, from January to this moment, oh God, we appreciate you. We thank you because you never fail us, Lord. We thank you, we appreciate you, God. We love you, oh God, for all you have done, for who you are, oh God, to all this morning. Let your will be done in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Ancient of Days. Thank you, my Redeemer, Lord. Thank you, oh God, for the worldwide, Lord, the nation, France, Lord. Thank you for the world, oh God, for my country, Nigeria, Lord. We thank you, oh God, for everyone's life, our family, our friends, Lord. We thank you for your lives, Lord, in the name of Jesus. Protection upon protection of each and every one, oh God. Thank you, oh God, for your revelation, Lord. Thank you, oh God, for who you are. Thank you, oh God, for your fulfillment, oh God. Lord, thank you, oh God, for the grace, oh God, that you lavish upon us this morning. Thank you, oh God, for everything you have done, Lord. May your name alone be praised forever and ever, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ouais, il faut mettre la base. Thank you this morning for your grace, O Lord, that you've brought us here this morning to adore you, to worship you, to say thank you for all you've done for us. Lord, even if we have 10,000 months all over us, we could still be enough to say thank you. But we say thank you this morning. Thank you for what you are doing in our lives, and thank you for what you have continued to do in our lives. Thank you for the protection. Thank you for your goodness and your mercy in our life. Thank you this morning because we'll be listening. You'll be giving us words from heaven this morning. Father, Lord, we ask, O Lord, that you open our hearts to receive from you this morning. Let our hearts be open to dilute every word that you'll be releasing to us this morning. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Lord, we ask, O Lord, that you release your Holy Spirit, O Lord, to take over this arena this morning, Lord. That as we hear, we'll not just be the hearer of your word, but also the doer of your word, O Lord. In the mighty name of Jesus Christ. This service, O Lord, we declare it open in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. For all you've done for me, for all you've given me, for all you've given me, take all the glory, Lord. Take all the glory, Lord. That's what you deserve. That's what you deserve. For all you've given me, take all the glory, Lord. The presence of the Lord is here. That's what you deserve. From the bottom of your heart, sing, for all you've done for me, Lord. For all you've done for me. For all you've given me. For all you've given me. Thank you, Jesus. Take all the glory, Lord. Now wherever you are, lift up your hands and appreciate God. Bottom of sing, for all you've done for me. For all you've done for me. For all you've given me, Lord. For the life, Lord. Take all the glory. For my family. Alabado Shaha. That's what you deserve. One more time, sing, for all you've done for me. For all you've done for me. Thank you, Jesus. For all you've given me. Take all the glory, Lord.
what you deserve. C'est pour que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Merci Jésus. Prends toute la gloire, Seigneur. Adopali katamale shata. Now if you can speak in tongues, why not speak in tongues? Connect yourself to divinity now. Thank you, Jesus. C'est ce que tu mérites. For all you've done for me. For all you've done for me. For all you've given me. For all you've given me. Take all the glory, Lord. That's what you deserve. For all you've done for me. For all you've done for me. For all you give me, take all the glory, Lord. That's what you deserve. Now sing, Ome Woya, Ome Woya, Jehovah Jireh, Ome Woya, Alpha Omega, Ome Woya, Ome Woya, Noge. Madison, sing. Nara, nara, nare, kele, nare. Thank you, Jesus. From January to December, always say nara, nara, nare, kele. Thank you this morning, God. We bless your name. We worship you. You may take your seat in Jesus' name. Vous pouvez vous asseoir au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Soyez bienvenue à tous. Amen. You are all welcome to this service this morning. Amen. Vous êtes soyez bienvenue à tous dans l'église Le Phare. Hallelujah. C'est une église évangélique. Et si tu ici vous nous suivre en ligne, if you're following us online, you are more than welcome. Hallelujah. Si vous nous suivre en ligne, vous êtes vraiment soyez bienvenus. Alléluia. Donc, it's so good to see all these wonderful smiling faces this morning. C'est vraiment très, 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 très belle de le voir chacun de nous. Ce matin, avec des belles visages et tout, nous représentons la victoire. We represent victory. If you have the victory, let me just see you waving hands. Just say yes, thank you Jesus for the victory. Hallelujah. Merci Seigneur pour la victoire. Amen. 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 And if you're following us online, welcome this morning. We are the Lighthouse Church. Amen. Si vous nous suivez en ligne, soyez bienvenus à tous. Nous sommes l'église Le Phare. And we're an evangelical church, amen. And a Bible believing church, une église qui croit et nous vivrons par la grâce de Dieu, and avec le guide du Saint-Esprit, amen. So, if you're here for the first time, si vous êtes ici pour la première fois, et en plus en ligne, if you're following us online also for the first time, and you're present here for the first time, I will
appreciate you. If you could just can lift up your hand, you know, we just want to appreciate you. Hallelujah. God bless you. Let's put the hands together for Jesus. Amen. Amen. Applaudissez l'Éternel. Applaudissez l'Éternel. Oh, yes. Hallelujah. Amen. 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 Oh, yes. Yes. Please welcome them to the family. If you're sitting around them, amen, just welcome them, amen. Si vous êtes à côté des frères et sœurs qui sont venus pour la première fois, vous pouvez l'accueillir chaleureusement. Hallelujah. Chaleureusement. Hallelujah. Warmly. Well, my name is Pastor Desmond, amen, and monsieur le pasteur de cette église, par la grâce de Dieu, avec notre équipe formidable, on se souhaite, soyez bienvenus, amen. We want to say you are welcome. So now, these are special announcements, amen. Voici l'annonce spéciale, donc I will need all your attention, j'ai besoin de toute votre attention, amen, parce que nous sommes auprès de la fin de cette année. We are almost the end of 2021. We are counting 7, 8, 9, 10, 11, 12 days, or I think something like 12 days, isn't it? May I just say this? We shall see it, we shall celebrate it in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, come. Amen. Pour qu'on avance le programme très vite. Amen. So, this week we do continue with our prayer meeting and Bible studies. Cette semaine nous continuons avec notre étude biblique et notre réunion de prière. So, but on Friday, mais vendredi, we have our Christmas carol service. Nous avons notre service de Noël. Let's put our hands together for Jesus for that. Amen. On fait réveillons, c'est ça on dit réveillons, c'est ça non? Réveillons de Noël. Amen. We will not be having Christmas Day service as we used to have. Amen. Nous n'allons pas avoir le service le jour de Noël, mais sera là le réveillon. So we are trying to modify some certain arrangements and programs of the church. Nous essayons de modifier certains arrangements de l'église. So which means the 24th at 7 o'clock. Qui signifie que le 24 à 19h, it's going to be minimum 1 hour 30 minutes of Christmas carol service, amen. Ce sera 1 heure 30 de service de réveillon. And we'll be celebrating Jesus, the reason for the season. Hallelujah. Et nous célébrerons Jésus, la raison de la saison. And you may want to invite your friends, your neighbors, you know. And these are the time where, as believers, the light of God shines so much in us because of the joy. Hallelujah. Et si il y a des amis qui sont que vous pouvez inviter certains de vos amis ou de vos voisins, c'est pour cela que durant les fêtes de Noël, c'est là que la lumière de Dieu se montre car il y a beaucoup de joie. Amen. Amen. So that is for the 24th, which is on Friday. Et c'est pour le 24 qui est vendredi. Amen. Vendredi. And then with normal service, Thanksgiving, final Thanksgiving service, the 26th, which is on Sunday next week. Le dernier, justement, le dimanche de remerciement, le dernier de 2021 qui sera le 26. Amen. Amen. And by the special grace of God, then, la grâce spéciale de Dieu, and we do have our weekly program still continue. Il y aura toujours les programmes de la semaine. Then the 31st will be having watch night service. Hallelujah. Et le 31, il y aura le, comment on appelle ça, la veillon, voilà. La veillée des nouvelles, le bon année, c'est ça? La veillée du nouvel an. Nouvel an, hallelujah, amen, amen. So, which means, because God have kept you so much up to this moment. Car Dieu vous a gardé jusqu'à ce moment. No doubt in my mind. Il y a aucun doute. That Jeremiah 11. Jérémie 29, which says, I know the plan that I have towards you. Je connais les plans que j'ai pour toi. How many of you believe God still have a plan for your life? Combien d'entre vous pensez que Dieu a toujours un plan pour votre vie? Just tell yourself, say, Lord, I so thank you, you have not finished with me yet. Dites-vous, merci Seigneur, tu n'as pas encore fini avec moi. You know,
before we so keep those announcements in mind. Alors gardez ces annonces en tête. And I think want to thank all those that participated in the youth program yesterday. Et it was so wonderful. Et nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé à l'événement des jeunes hier. And it's such a blessing to see young people just being very humble, active for the Lord. Et c'est une bénédiction de voir les jeunes personnes qui sont actives pour l'Éternel. So for you that are here for the first time. Alors pour vous qui êtes là pour la première fois. I believe the ushers have given you flyers which. Je crois que le protocole vous a donné les flyers. We need your information not for any reason but just to call you later in the week to say thank you and but more especially just put you on our prayer list. Ce n'est pas pour quelque chose ou quoi, mais c'est juste pour vous remercier et pour vous mettre dans les prières. Amen. Amen. That's why at the last portion of the card, there is a prayer request form. Et la dernière partie justement de ce flyer, ben il y a un requête de prière. And I want you to just believe and still believing that God still answers prayer. Et croyez et continuez à croire que Dieu répond aux prières. Amen. Amen. So thank you once more for worshiping with us. Et merci une fois d'avoir joué avec nous, d'avoir loué avec nous. If you are online with us with the same instruction, you can leave your details and we will definitely get back to you in Jesus' name. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi donner vos vos contacts et nous vous rappellerons plus tard. So before we hear the word of God. Avant d'entendre la parole de Dieu. You know, most time I'm here very early in the morning. Je suis là très tôt le matin. With the media team and avec l'équipe de médias. Prayer intercessory team. Et l'équipe de prière d'intercession. To set all the equipment at the same time. So see and it's like these are those times that God actually, you can hear the voice of the Holy Spirit. C'est à ces moments-là où tu peux entendre les voix du Saint-Esprit. And the intercessory team is praying on one side. Et la prière l'équipe de prière d'intercession qui prie d'un côté. Media team trying to get all the cables and. L'équipe de médias qui essaie d'arranger toutes les caméras, tous les câbles. Then normally I leave like 10 minutes before to go and pick up my family. Et je pars 10 minutes avant pour aller prendre ma famille. So as I was driving home, alors, just to pick them up. Alors en conduisant à la maison pour aller les prendre. These are the time, you know, you chercher. You can just hear the very voice of the Holy Spirit. Et c'est à ces moments-là où vous entendez la voix du Saint-Esprit. And right there, the Holy Spirit just begin to pour the subject of appreciation in my heart. Et là, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur la prière d'appréciation, because de remerciement. What is happening, everything around us. Car ce qui se passe tout autour de nous. Let's be honest. The news. Soyez honnête. Les challenges. Les nouvelles. The les ups, défis. The down, les hauts, les bas. Everything. Toutes choses. Is so negative. C'est trop négatif. That it actually affect the way you function. Are you understanding what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? So the Holy Spirit just focus on the things that are good. Et le Saint-Esprit juste nous dit de nous focaliser sur les choses qui sont bonnes. Hallelujah. Are you getting me? Just focus on because some of the negative things are things that you cannot change. Car les choses négatives, c'est la plupart du temps, c'est des choses que tu ne peux pas changer. Some of them are not even things of your making. Et certaines, parfois, c'est des choses que vous n'avez même pas faites. But it comes like that. Mais ça vient comme ça. So why the enemy wants us to stay negative? Pourquoi l'ennemi veut que nous restions négatifs? Because the moment he gets your attention off the good things that God has done. Car le moment où il a pris l'attention sur les bonnes choses que Dieu a fait. And focus it on all the things that have not been done. Et il focalise sur toutes les choses qui n'ont pas été faites. It releases a spirit. Et ça relâche un esprit. The spirit of discouragement. L'esprit de découragement. Critical spirit. De critique. Crying. De pleurs. And all kind and
complaining and you just you, in that your small world. Dans ce petit monde, you don't see anything good. Vous ne voyez rien de bon. But when you focus on the good things that God have done. Mais quand vous focalisez sur les bonnes choses que l'Éternel a fait. I think this is what the psalmist understands. C'est ce que le psalmiste a compris. When he says, quand il a taste dit, and see, goûtez et that voyez the Lord, que l'Éternel so est bon. If you are among those, et si vous faites partie de ces personnes, that God have done so much for this year, que Dieu a fait tellement pour vous cette année, I just want you to just rise up and say, thank you, Jesus. Just rise up and say, Father, I just thank you. It doesn't mean the things around you. You know, it doesn't mean that everything is everything worked. But for the fact that you are alive, hallelujah. Pour le fait que vous soyez en vie, just say, Father, I just thank you. I focus because the heart of thanksgiving, le cœur de remerciement, is the beginning of a miracle. Le commencement d'un miracle. All you've done for me, all you've given me, take all the glory, Lord. That's what you deserve. That's what you deserve. For all you've done for me, for all you've done for me, for all you've given me, Jesus. For all you've given me. Take all the glory, Lord. Just find, just find something that God did for you. Focus on it. Look at those that are still struggling too. Even alive where you are today. C'est ce que tu mérites. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu m'as donné, prends toute la gloire, Seigneur. C'est ce que tu mérites. Alléluia. Just say, Holy Spirit. I'm so thankful. Dites Saint-Esprit, je suis très reconnaissant. Malgré tout ce qui se passe autour de moi, regardless of what is happening around me, you deserve the glory. Tu mérites la gloire. You deserve the praise. Tu mérites l'honneur. And for this reason, et pour cette raison, I declare, je déclare, that my better days, que mes meilleurs jours, are yet to come, arrivent, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Give him praise, hallelujah. Applaudissez-le. Let's put our hands together as Brother Robert comes. Applaudissez-le en accueillant le frère Robert. Ome, ome wo ya noge ya, ome wo ya, ome wo ya noge ya, ome. Amen. Donc, comme disait le pasteur tout à l'heure, as pastor was saying, ne nous laissons pas distraire. Let us don't be distracted. Soyons focalisés. Let us be focused sur nos objectifs. On our goals. Et on la foi que durant les derniers jours qui nous séparent de la nouvelle année, Dieu fera encore des miracles et des prodiges. And let us have faith that in these last days that are in 2021, God will do miracles. Donc tout n'est pas encore fini. Everything is not yet done. Il reste encore des jours et tant qu'il y a encore des jours, tout est possible encore. There are days remaining and if days are remaining, everything is possible. Ayons donc la foi. Let us have faith. Donc nous allons maintenant passer au moment de la parole. And we're going to have the word of God. Et le moment où la parole est prêchée, ça demande de notre part beaucoup de concentration. And during the word, we have to be very concentrated. Ça demande de notre part que nous soyons attentifs à la parole. It requires our attention and our concentration to the word. Parce que c'est le message qui est prêché, c'est la parole de Dieu. Because the word that is preached is the word of God. Et chaque message qui est
prêché est accompagné d'une bénédiction. And each message that is preached is accompanied with a blessing. Et nous devons être concentrés, attentifs pour pouvoir recevoir la grâce et la bénédiction qui accompagne la parole qui est déversée. And we must be attentive and concentrated for us to receive the word that is spoken. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu ne retourne jamais sans avoir accompli ce pour quoi elle a été prononcée. Because the Bible says that the word of God doesn't return without accomplishing what it came to accomplish. Donc je vais vous demander, nous allons acclamer la parole de Dieu. So I would like us to put our hands together. Si nous pouvons acclamer très fort la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie et la vérité. Because the word of God is life, truth. L'un des moments les plus importants où nous sommes en contact avec Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu est déversée. And the most important time is when we're in contact with God is when the word of God is spoken. Donc nous allons encore acclamer très fort. So we're going to put le our nom hands de Jésus, la parole de Dieu. We're going to clap and put our hands together for the word of God. Et pendant que j'invite mon frère as we invite Andrew, brother Andrew. Put your hands together, put your hands together. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et l'encourager? C'est l'instrument que Dieu utilise ce matin pour délivrer sa parole. To deliver his word. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you. Seigneur Jésus, nous te remercions. We bless your holy name. Nous bénissons ton saint nom. Thank you, Lord Jesus. Merci, Père. If you can speak in tongues, I would like every one of us to just close our eyes and communicate to God. Et si vous pouvez parler en langue, j'aimerais que chaque personne ici ferme leurs yeux et communique avec Dieu. Communicate to God. Et fermez vos yeux et communiquez avec Dieu. Tell him thank you. Remerciez-le. Shabakatabari imposantanabadi ki pandabako shanta libata bratatoski andabadi kapale de bushanta bratatoski andabadi shanta dabakatabakatabaka shanta labadi bra ande bosunto libakatabate shandare ke santa lebokoto pate ke sente ibata Beke tabakato shanda barete bakasunta labadesha lagadabadesha 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 batabakato pasanta leboto shekete in the name of Jesus batako shekete eboko santa labata in Jesus name we give thanks. I feel burdens. Je ressens des fardeaux. I don't know the challenge of your heart. Je ne connais pas les défis de vos vies. I don't know what you're believing God for. Je ne sais pas pourquoi vous. But I would like you to lay down those quels sont vos besoins at the feet of Jesus. Mais je veux dire, mettez-le entre we les are mains going de Dieu. To pray wherever you are. Those things that are troubling your heart, tell it to God now. Et nous sommes là et toutes les choses qui tell vous troublent, tell it to God now. Open your mouth Dieu. And begin to pray. Baka po shakata leboto si impata kato shata in Christ. Bata bosha gedaba masunta labata. Lord, we pull down our heart before you, Lord. We commit every heart burdens, every troubles, everything. Adebo shanta labate, 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 labate. Bedeba santa adabakato kushampakata. Brata kuski impata gadesha. Labato iboko sonto lebata. Rente bakusha bakata. Brata kuske teboko shanta. Leboko santa abekete bata batosha ladabaka santa egede bato. We pull down our hearts, Lord, before you, Lord. All our heart desires, Lord, we lay it at your feet in the name of Jesus. We lay them at your feet in the name of Jesus.
Renta ba santa labato, renta ba laba santa labato, renta laba santa labato, renta laba santa labato, bakeshata bakeshata, bakeshata bakeshata, lekata ba masonte rianda bakato palabate, braande boko santa abakata bako shekete, mako sonto igada bate sente rianda gadada disha, randa bakato be ezete kete kete, lekata ba mashamba kata bako kusonto, lekaba santa abre edeketo, liende boto shabata kabo shanta kate, randa bakasumpe ige deboko shata le tata tata rata tata tata le kata batosha bata kasunta abekete kete bato kata labata shete kata baka sumbekete palakata jenta labaka sakata. In the presence of God there is liberty. Mato idete leka abete bratoski pata lepata kat santa labata eko kambu kete pusunta lega deba shantarita lega bade shantari igade swande bare tupati ki santa leku pra ande kushapata leke pa ande kasanta randa bakate pa lege degedesha lege pra ande sumpata kate rande bakus shinta abakata mata bale kete pasunta labata. Wherever you are, shout Jesus. Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Wherever you are, you can rise up on your feet. Somebody shout Jesus. Power of the Holy Ghost. For it is written, when the Lord turned the captivity of Zion, we were like them that dream. Somebody shout Jesus. For it is written that God has highly exalted him and has given him a name and an mention of the name Jesus, and every knee should bow and every tongue should confess that Jesus is Lord. Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Ato shata. Kitaba matu sata. Thank you, Father. In every situation you experience in your life, dans toutes les situations que tu expérimentes dans ta vie, I call the name of Jesus. J'appelle le nom de Jésus. To everything you are believing God for, et pour tout ce que vous croyez en Dieu, I call the name of Jesus. Appelez le nom de Jésus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name we give thanks. Put those hands together for Jesus. You can clap more better than this. Put those hands together for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I need more volume for the mics, please. Amen. Amen. Praise God. Tell somebody happy Merry Christmas. Joyeux Noël. And happy New Year in advance. Bonne année en avance. Tell somebody, Noël, I will see you in 2022. Dites à quelqu'un, je te verrai en 2022. And the year 2022, et l'année 2022 shall be better than the year 2021. Sera meilleur que l'année 2021. Tell somebody, in 2022, dites à quelqu'un, en 2021, my level en 2022, can never be the same. En 2022, mon niveau ne sera plus le même. Say it with confidence. Dites-le avec confiance. In 2022, en 2022, my life can never be the same. Ma vie ne sera plus jamais la même. Put those hands together for Jesus. Applaudissez pour l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Merci, Père. Today we are going to be studying aujourd'hui, a topic. Aujourd'hui, nous allons étudier un titre that is titled, qui s'intitule Lord, I've come to say thank you. Seigneur, je suis venu te dire merci. Hallelujah. Somebody say, Lord. Dites Seigneur, I've come to say thank you. Je suis venu pour te dire merci.
Somebody say, Lord. Dites, Seigneur. I've come to say thank you. Je suis venu pour dire merci. It's a personal thing. C'est une chose personnelle. Lord, I've come to say thank you. Seigneur, je suis venu pour dire merci. Hallelujah. Hallelujah. Now, maintenant, thanksgiving, le remerciement, is the expression of gratitude, especially to God. C'est l'expression de gratitude surtout envers Dieu. Is the act of giving thanks for what you have grateful, for what you are grateful for. C'est l'acte de remercier l'Éternel pour les choses qu'il t'a fait, d'être It's reconnaissant. An expression of gratitude, especially to God. C'est une expression de gratitude et de reconnaissance surtout somebody, envers Dieu. Somebody say, Lord. Que quelqu'un dise, Seigneur. I've come to say thank you. Je suis venu pour dire merci. Hallelujah. Amen. We are going to read the book of Psalm 107, verse 1. Nous allons lire le livre du Psaume 107, verset 1. Psalm 107. Psaume 107, verset 1. By the grace of God, I'm going to try to see how I'll be fast about everything because we still have a baby dedication. Et je vais essayer d'être le plus bref mais le plus profond aussi. Alors nous avons une dédication Psalm 107, verse 1. Psalm 107, verset 1. Oh, give thanks unto the Lord. Louez l'Éternel. For he is good. Car il est bon. For his mercy endureth forever. Car sa miséricorde dure pour toujours. I take it again. Oh, give thanks unto the Lord. Louez l'Éternel. For he is good. Car il est bon. For his mercy endures forever. Et sa miséricorde dure pour toujours. Even also in 1 Chronicles chapter 16 verse 34, the Bible says, "Oh, give thanks unto the Lord." Et dans le livre de Chroniques, ils disent remerciez l'Éternel. For he is good. Car il est bon. His mercy endures forever. Et sa miséricorde dure pour toujours. Psalm 106 verse 1. Psalm 106 verset 1. Praise ye the Lord. Louez l'Éternel. Oh, give thanks unto the Lord. Et remerciez l'Éternel. For he is good. Car il est bon. For his mercies endureth forever. Et car sa miséricorde dure pour toujours. Psalm 1 verse 18. Psalm 118 verse 1. Psalm 118 verset 1. Oh, give thanks unto the Lord. Remerciez l'Éternel. For he is good. Car il est bon. Because his mercy endureth forever. Car sa miséricorde dure pour toujours. Psalm 118 verse 29. Et Psaume 118 verset 29. Oh, give thanks unto the Lord. Remerciez l'Éternel. For he is good. Car il est bon. For his mercies endures forever. Et sa miséricorde dure pour toujours. Psalm 136 verse 1. Psalm 136 verset 1. Oh, give thanks unto the Lord. Remerciez l'Éternel. For he is good. Car il est bon. For his mercies endures forever. Et sa miséricorde dure pour toujours. Put those hands together for Jesus. Applaudissez pour Jésus. Give thanks to the Lord. Applaudissez pour Jésus. For he is good. Car il est bon. His mercies endures forever. Et sa miséricorde dure pour toujours. Hallelujah. Hallelujah. Christians Chrétiens are always in the position of asking. Et les chrétiens sont toujours dans une position de demander. We always ask in our prayers. Nous demandons toujours dans nos prières. We always ask whenever we fast. Nous demandons à chaque fois que nous jeûnons. In our songs, même dans nos cantiques, dans nos chants. Most of the songs we sing. La plupart de nos chants. Que nous chantons. All song of give me, no. C'est des chants de donne-moi, n'est-ce pas? Everything a double. Tout est double. Whenever we pray, à chaque fois que nous prions, Lord, I need this. Seigneur, j'ai besoin de ça. Lord, I need that. Seigneur, j'ai besoin de ci. And we also pray that God should kill our enemies. Et je prie aussi que Dieu tue nos ennemis, n'est-ce pas? Amen. But every time. Mais à chaque fois. Christians are always in the position of asking. Les chrétiens demandent toujours. Christians are always in the side of demanding. Et les chrétiens sont toujours du côté de la demande. It is not wrong. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Because the Bible says. Car la Bible dit. In Matthew chapter 7 verse 7. Dans Matthieu chapitre 7 verset 7. It says ask. Il dit demande. And you shall receive. Et vous recevrez. Seek. Cherchez. And you shall find. Et vous trouverez. Knock.
tapez, and the door shall be opened unto you. Et les portes seront ouvertes. So when you are asking, it's not a crime. Alors quand vous demandez, ce n'est pas un crime. Amen. Amen. But sometimes, mais parfois, God deserves us. Dieu aussi mérite to just come and say, de venir et de dire, Lord, I've Seigneur, come to say thank you. Je suis venu pour te dire merci. Amen. Amen. I'm going to give us, je vais vous donner, three keys, trois clés, of a Christian, de chrétien. Number one key, première clé, is the word, c'est la parole, the word of God, la parole de Dieu, this is a key, c'est la clé, of the Christian, du chrétien. Another key, une autre clé, is prayer, c'est la prière. Prayer is also a key, la prière c'est aussi une clé, for every Christian, pour tout chrétien. And the third key, et la troisième clé, which we are specializing today, et où nous allons nous spécialiser aujourd'hui, is the key of praise. C'est la clé de la louange. Praise is a key also. La louange, c'est une clé aussi. There are some certain doors that you need the key of praise to open. Il y a certaines portes et pour les ouvrir, tu as besoin de cette clé de louange. Hallelujah. Hallelujah. Now in the book of 2 Chronicles chapter 20 from verse 20 to, if you read down. Et dans le livre de 2 Chronicles de Chroniques chapter 20 chapitre 20 from verse 20-22 de verset 20 au verset 22. If you go through the scripture, si vous regardez toutes ces écritures, you discover that we praise also you can win victory, you can achieve victory. Vous voyez aussi qu'avec la louange, vous pouvez avoir des victoires. Just like the children of Israel. Comme les enfants d'Israël. When they have battle. Quand ils ont des batailles. But with praise. Mais avec la louange. They won. Ils en ont gagné. So praise also gives us victory. Alors la louange aussi nous donne la victoire. Praise also frees the captives. Et la louange aussi libère les captifs. When Paul and Silas were in prison, comme Paul et Silas étaient en prison, in the book of Acts of the Apostles, chapter 25, dans le livre de Actes, Paul et Silas, they were in prison. Ils étaient en prison. But the Bible says when they sang praise unto the Lord, mais la Bible a dit quand ils ont commencé à louer l'Éternel, the prison doors were shaking. Les portes de la prison étaient bougées. The chains in their hands fell off. Les chaînes de leurs mains se sont écroulées. It also means, et ça signifie, that praise, que la louange, is also a key for freedom. C'est aussi une clé pour la liberté. Praise, la louange, is also a key for provision. C'est aussi la clé pour la provision. I remember the story when Jesus was praying for the 5 loaves of bread and 2 fishes. Et je me rappelle quand Jésus priait pour les 5 morceaux de pain et les 2 poissons. In the book of John chapter 6 verse 11. Dans le livre de Jean chapitre 6 verset 11. The Bible says Jesus lifted up the 5 loaves and 2 fish and gave thanks. Jésus a dit qu'il a élevé les 5 morceaux de pain et les 2 poissons et a remercié son père. And immediately, et immédiatement, it multiplied. Ça s'est multiplié. It also shows that thanksgiving, ça montre aussi que le remerciement, praise also calls for provision. Et aussi, l'adoration, les louanges aussi permet d'avoir des provisions. De praise pouvoir. Also make testimony to be permanent. Et les louanges aussi permet au témoignage d'être permanent. In the book of Luke chapter 17, dans le livre de Luc chapitre 17, from verse 11 to 19. Bible was talking about the 10 lepers that Jesus healed. La Bible parlait des 10 lépreux que Dieu a guéris. 10 lepers that Jesus cleansed. Les 10 lépreux que Dieu a nettoyés. Only one came back to him to say thank you. Il y en a seulement un qui est venu pour le remercier. And that one which came. Et le seul lépreux qui est venu. Jesus said, "From now henceforth you are made whole." Et maintenant tu es guéri. Shows that thanksgiving, cela montre que le remerciement, praise, et la louange, is also a key for permanent blessings. C'est aussi une clé pour une bénédiction permanente. Hallelujah. Hallelujah.
I'm going to give us a story. Je vais vous raconter une histoire. In the book of Numbers chapter 22. Dans le livre de Nombres chapitre 22. The Bible was talking about Balaam and Balak. Et l'Éternel parlait de Balak et Balaam. Balaam was a prophet of God. Balaam était un prophète de Dieu. And Balak, et Balak was one of the rulers of the people. Était l'un des dirigeants du peuple. But he employed Balaam to curse the children of Israel. Il a employé Balaam pour maudire les enfants d'Israël. And he made a lot of altars. Et il a fait beaucoup d'autels. Each altar he made a sacrifice. Et chaque autel, il a fait un sacrifice. Of a bull and of a ram. Et of a bull and a ram. Et d'un taureau. He slaughtered a lot of animals. Il a égorgé beaucoup d'animaux. Because he wants the prophet Balaam to curse the children of Israel. Car il voulait que le prophète Balaam maudisse les enfants d'Israël. But God refused. Mais Jésus a refusé. And that is why. Dieu a refusé. But the children of Israel. Et les enfants d'Israël. They don't even know. Ne savaient même pas. That someone is somewhere on a mountain. Que quelqu'un est quelque part dans une montagne. Making a lot of altars to curse them. Qui font énormément d'autels pour les maudire. That is why we as a Christian we must cultivate that habit to always be grateful to God. C'est pour ça que nous en tant que chrétiens nous devons cultiver cette habitude d'être toujours reconnaissant. You don't know the battles that God is fighting for you. Car tu ne connais pas les batailles que Dieu combat pour toi. You don't know the sacrifice that people are doing just to get you down. Et vous ne savez même pas les sacrifices que les gens font pour goats, they are killing cows. Il y a des gens qui tuent des taureaux, des agneaux, to get you down. pour vous faire tomber. And most of us, even the offering we give in church, cannot even buy a chicken. Et la plupart d'entre nous, mais la plupart des offrandes que nous faisons à l'église ne peuvent même but pas acheter un poulet. Are sacrificing cows to kill us. Mais les gens sacrifient les taureaux pour nous tuer. And your offering cannot buy a chicken. Et ton offrande ne peut même pas acheter un poulet. You see that there is a reason for you to give thanks to God. Vous voyez qu'il y a une raison pour remercier l'Éternel. You don't know the places they take your name, your matter to. Et vous ne savez même pas les endroits où ils ont pris leur nom pour vous. You don't know the battles that God is fighting for you. Vous ne connaissez même pas les batailles que Dieu combat pour vous. And that is why once in a while. C'est pour ça que une fois de temps en temps. I know you have a lot of challenge. Je sais qu'il y a beaucoup de défis. I know you have a lot of bills to pay. Je sais que tu as beaucoup de frais à payer, beaucoup I de know taxes. You have a lot of pressure from your families and friends. Peut-être que vous avez beaucoup de pression de but votre famille ou de vos amis. While, mais une fois de temps en temps. Just sacrifice a day. Sacrifier un jour. And say, Lord, I've come to say thank et dites, Seigneur, je suis venu te dire merci. Lord, I've come to say thank you. Je suis venu te dire merci. Thank you for my life. Merci pour ma vie. Thank you because my today is better than yesterday. Merci car mon aujourd'hui est meilleur que thank mon hier. Thank you for my family. Merci pour ma famille. Thank you for my brothers. Merci pour mes frères. Thank you for my sisters. Merci pour mes sœurs. Thank you that I have roof over my head. Merci j'ai un toit sous ma tête. Thank you that I have clothes to wear. Merci j'ai des habits à porter. Thank you that I'm in good health. Merci je suis en bonne santé. Thank you that I'm still alive. Merci je suis toujours en vie. Thank you that I have food to eat. Merci j'ai manger. Sometimes just come to say. Et parfois viens dire. Lord, I've come to say thank you. Je suis venu te dire merci. I have a lot of challenge. J'ai beaucoup de défis. But I've come to say thank you. Mais je suis venu te dire merci. I have a lot of needs. J'ai beaucoup de besoins. But I've come to say thank you. Je suis venu te dire merci. And when you start to cultivate this habit. Et quand vous commencez à cultiver cette habitude. You open door for more miracles. Vous ouvrez les portes pour plus de miracles. Hallelujah. Hallelujah. People are fond of complaining. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent. A lot of people they don't recognize any good thing around them. Everything they complain. Certaines personnes ne reconnaissent même pas les bonnes choses qui se passent autour d'eux. Ils sont juste là pour se plaindre. They don't have documents. They complain. Ils n'ont pas les papiers. Ils se plaignent. They have documents, they complain because they go for a lot of appointments. Et ils ont les papiers, ils se plaignent parce qu'ils vont pour trop de rendez-vous.
They are not feeling fine, they complain. Ils ne se sentent pas bien, ils se plaignent. They feel fine, they also complain. Ils se sentent bien, ils se plaignent. Hallelujah. Hallelujah. People complain for just no reasons. Les gens se plaignent pour aucune raison. They refuse to see the hand of God in their life. Ils refusent de voir la main de Dieu dans leur vie. I heard the story of one woman that complains a lot. Et j'ai entendu l'histoire d'une femme qui se plaignait beaucoup. In everything she always complained. Dans toute chose elle se plaignait. There was a day she even went to church and she complained. Il y a un jour elle est même passée à l'église elle s'est plaint. That day because they did communion in the church. Car ils ont fait la Sainte Cène à l'église. She said she complained that the bread they did for communion was not today bread. Et elle a dit que le pain qu'ils ont pris pour la Sainte Cène ce n'était pas le pain du jour. She was complaining everything. Elle se plaignait de tout. Learn to say, Lord, I'm grateful. Et apprenez à dire, Seigneur, je te remercie. Wherever you are, I would like you to wave those hands and say, thank you, Jesus. Et là où vous vous trouvez, élevez vos mains et dites merci, Jésus. Once in a while, just tell him thank you for your family. Élevez vos mains et remerciez-le pour votre famille. Once in a while, just tell him thank you for the things he has done for you. Une fois de temps en temps, remerciez-le pour les choses qu'il a faites pour toi. Thank you, Lord Jesus. Et merci, Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Put those hands together for Jesus. Applaudissez pour l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Now we are going to consider the book of Judges chapter 13. Nous allons aller dans le livre de Juges chapitre 13. We are going to round up with this story of a man called Samson. Et nous allons finir avec l'histoire de cet homme qui s'appelle Samson. In Judges chapter 13. Dans Juges chapitre 13. Verse 24. Verset 24. The Bible says the Lord blessed Samson. La Bible dit que l'Éternel a béni Samson. But Samson did not thank God. Mais Samson n'a pas remercié l'Éternel. In Judges chapter 14 verse 1. Dans Juges chapitre 14 verset 1. The Bible says that Samson found he saw a woman that pleased him. Et la Bible dit que il a vu une femme qui le plaisait bien. Samson did not thank God. L'Éternel n'a pas Samson n'a pas remercié l'Éternel. How many of you one day have ever thanked God for the wife God has given to you? Combien d'entre vous ont remercié Dieu pour la femme que Dieu vous a donnée? How many of you have thanked God for the husband that God has given to you? Est-ce que vous avez déjà remercié Dieu pour le mari que Dieu vous a donné? In Judges chapter 14 verse 16. Dans Juges chapitre 14 verset 16. The Bible tells us where Samson tore the lion with his hands. Et la Bible nous explique comment Samson a tué le lion avec de ses propres mains. Samson did not thank God. Samson n'a pas remercié l'Éternel. In Judges chapter 15 verse 4. Dans Juges chapitre 15 verset 4. Samson burnt down the vineyard and the corns of his enemies, the Philistines. Il attrapa son renard et prit les flambeaux. Il tourna avec eux. Samson did not thank God. Et mais Samson n'a pas remercié l'Éternel. In Judges chapter 15 verse 16. Dans Juges chapitre 15 verset 16. With the jawbone of an axe. Avec la mâchoire d'un âne. Samson killed a thousands. Et avec mâchoire d'un âne. Il a tué mille Samson hommes. Did not thank God. Mais Samson n'a pas remercié l'Éternel. In Judges chapter 16, verse 9. Dans Juges chapitre 16 verset 9. He breaks seven grains wheat like a thread. Et Samson, he breaks seven wheat like a cord. He breaks cord. Il rompit les cordes comme like a thread. Comme se rompant un cordon. When he was loupe. When the wife was persuading him and telling him, "Please tell me the source of your power." Et quand sa femme lui disait, "Dis-moi la source de ta puissance." He told the wife that when they bound me up, I'll be like an ordinary man. Et il a dit que quand je suis né, je serai comme un homme ordinaire. But when they bind him up, mais quand ils l'ont, and the wife screamed, "Samson, the enemy is here against you." Quand ils l'ont attaché. The Philistines is here against you. Les Philistins sont là contre toi. Just like a thread. Comme une corde. He broke up the cords. Il a brisé comme une petite corde. Just like for example, when you put a thread to a fire. C'est par exemple quand vous mettez you know un petit, how it split. Une petite corde he sous le feu. Breaks everything. Ça brise tout. He did not say thank you. Mais il n'a pas remercié l'Éternel. He didn't say God thank you. Il n'a pas dit merci Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. In Judges chapter 16 verse 14. Dans Juges chapitre 16 verset 14. He went away with the pain of the beam and wept, but he did not say thank you.
Et in Judges chapter 16, verse 28, et il a arraché la cheville du tissé, mais il n'a pas dit merci. When he was arrested, quand il a été arrêté, then he began to pray. Alors il a commencé à prier. Even in prayer, let's bring out the scripture, please. Et s'il vous plaît, donnez-moi l'écriture. Judges chapter 16, verse 28. Juges chapitre 16, verset 28. Hallelujah. See the prayer that even Samson prayed. Juges chapitre 16 verset 28. In Judges chapter 16 verse 28. Dans Juges chapitre 16 verset 28. Hallelujah. Hallelujah. And Samson prayed to the Lord. Alors Samson invoqua l'Éternel. Sovereign Lord. Il dit, Seigneur Éternel. Remember me. Souviens-toi de moi. Please God, je te prie, oh Dieu, strengthen me. Donne-moi de la force. Just once more. Seulement cette fois. And let me with one blow. Et que d'un seul coup, get revenge on the Philistines for my two eyes. Je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Even his prayers. Même ses prières. There is no thanksgiving. Il n'y a aucun remerciement. Look at. Regardez. C'est Sovereign Lord. Seigneur, remember me. Souviens-toi de moi. Please strengthen me. Renforce-moi. Let me take revenge for my enemies. Et je prends la vengeance pour mes ennemis. No thanksgiving. Aucun remerciement. Hallelujah. Hallelujah. Then the last miracle. Et le dernier miracle. That Samson did. Que Samson a fait. In Judges chapter 16 verse 30. Dans Juges chapitre 16 verset 30, the Bible says, la Bible dit, God gave him, God strengthened him. Jésus l'a renforcé, lui a donné and la force. And when he had the pillars, et quand il y avait les deux piliers, where the Philistines were gathering, là où les Philistins étaient regroupés, he shook the pillar. Il a brisé les deux see piliers. See how powerful Samson is. Regardez la puissance de Samson. That even the death he caused that day was more than the death he caused during his life and everything. Les morts qu'il a causées ce jour-là étaient plus que les morts qu'il a causées. Tout au long de sa Samson vie. Did not thank God. Mais toujours, Samson n'a pas remercié l'Éternel. One of the miracles that shocked me in the life of Samson. Et l'un des miracles qui m'a choqué dans la vie de Samson. It is when in Judges chapter 16 verse 12. Et c'est quand dans Juges chapitre 16 verset 12. Hallelujah. One of the miracles that shocked me was when it was in Judges chapter 16 verse 3. C'était Juges chapitre 16 verset 3. It shocked me. Ça m'a choqué. You see, the enemies of Samson, when they heard that he was inside a city, et quand les ennemis de Samson ont entendu qu'il était dans la ville, they stood at the gate of the city. Ils se tenaient à la porte de cette ville, de cette cité. All throughout the night, and they say, when Samson comes to pass here in the morning, we are going to get him. Et que toute la nuit ils sont restés là et ils ont dit que quand Samson allait sortir justement, ils allaient la voir. Mais la nuit, Samson went to the gate. Samson est allé à la porte. He pulled the gate from the pillars. He pulled the gate. Il a enlevé les portails. And took the gate of the city to the hills. Et il a pris ses portails aux montagnes. But in all of this miracles, mais dans tous ces miracles, Samson did not tell God thank you. Samson n'a pas dit à Dieu merci. I don't know how we think as human. Je ne sais pas comment nous pensons en tant qu'être humain. I don't know if the things that God is doing for us, if we see it as normal. Je ne sais pas si les choses que Dieu fait pour nous, nous le voyons en tant que choses banales. You see it as normal. Même si vous voyez les choses que Dieu fait pour nous en tant que des choses banales. It is not an entitlement, it's a privilege. Ce n'est pas un titre, mais c'est un privilège. There are people that know God more than you. Il y a des gens qui connaissent Dieu mieux que toi. There are people that know the kind of work you are doing more than you. Il y a des gens qui connaissent le travail que tu fais there mieux que toi. There are people that are more conscious of their health and they take good diet more than you. Il y a des gens qui prennent mieux, qui prennent soin d'eux, qui mangent so bien. So the life mais you are living, la vie que vous vivez, the things you earn, les choses que vous avez, your wealth and properties, vos biens et tout ce que vous avez, your health, votre vie, votre santé, of God around you, et les bénédictions de Dieu autour de vous, it is not a right but a privilege. Ce n'est pas un droit mais c'est un privilège. It is time to recognize the hand of God in all of these things. C'est le moment de reconnaître les mains and de Dieu dans to toutes say, ces choses et thank you. De venir dire Dieu merci. Lord, thank you. Dieu merci. Lord, thank you. Dieu merci. For once.
Pour ce que tu as fait, tell God thank you. Pour tout ce que tu as fait, je te remercie. God knows you have a lot of need. Dieu sait que vous avez énormément de besoins. God knows you have a lot of challenge. Dieu sait que vous avez énormément d'épreuves. Once. Mais pour une fois. How many of you can sacrifice one day in fasting? Et combien d'entre vous peuvent sacrifier un jour dans and le jeûne? Say, Lord, I'm fasting today. Et tu dis, Seigneur, je jeûne aujourd'hui. It's not to kill my enemy. Ce n'est pas pour tuer mes ennemis. It's not because I have a bad dream. Ce n'est pas parce que j'ai eu un cauchemar. It's not because I'm expecting this miracle from you. Ce n'est pas parce que j'espère ce miracle venant it's de toi. It's not because I'm expecting this result. Ce n'est pas parce que j'espère ce résultat. But Lord, I'm fasting today. Mais Seigneur, je jeûne aujourd'hui. Just to say thank you. Pour te dire merci. How many of you can do it? Combien d'entre vous peuvent le faire? But this is a key for better breakthrough. Mais c'est une clé pour une meilleure percée. This is a key for more open doors. C'est une clé pour ouvrir this les portes. Key for more testimonies. C'est une clé pour plus de témoignages. Child of God, enfant de Dieu, once in a while, une fois de temps en temps, say Lord, thank you. Dites Seigneur, merci. Gather your family together. Rassemblez ta famille. Let's use today to thank God. Et utilisons ce jour pour dire merci Jésus. Rise up on your feet. Levez-vous, levez-vous. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. I would like you to use this opportunity to thank God. Utilisez cette opportunité pour remercier l'Éternel. Utilisez cette opportunité pour remercier l'Éternel. We've been praying for sick over the years. Nous avons prié tout au long de cette année. We've been praying for the oppressed over the years. Nous avons prié pour toutes les oppressions tout au long de cette année. We've been praying for the flow and the anointing of the Holy Ghost. Nous avons prié pour l'onction du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, we dedicate today to say thank you Lord. Pour dire merci we Seigneur. Today to say thank you, Lord. Nous dédions ce jour pour dire Balebo merci Seigneur. Shatter. Everybody open your mouth and begin to appreciate et God. Remercie l'Éternel. Say God thank you. Beleba sunta labate reta pakatosha. Masunta abakato bratesha. Leketumba takabashanta labata. Bereteke bot sunta namate. Santa namate. Jata bakato se. Le potom baka sunta ya baka dega shanda bakata gede basunto ibete. Shada bali gede basunta la bata bakato sheteketeh. If you can speak in tongues, speak in tongues, but just open your mouth and bless the name of the Lord. Si vous pouvez parler, Lord, si vous parlez en langue, parlez en langue et remerciez l'Éternel. We thank you for our brothers and merci our pour sisters. Nos frères et nos sœurs. We thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur. Adeba kato barita takatosha, libaka sumberi imputu kadabade, shaba masunta abakato beke sebarikete, balada de shambakata. Thank you, Lord, that I have food to eat. Thank you, Lord, that I have roof over my head. Thank you, Lord, that I have clothes to wear. Thank you, Lord, that I can see with my two eyes. Thank you, Lord, that my body is walking. Merci, I Dieu, can walk marche. With my two legs. Je peux marcher thank avec you, mes Lord, pieds. For providing merci for me. Pour la provision. I have shoes on my feet. J'ai I have clothes to wear. J'ai des habits. I'm not in the hospital. Je suis pas à l'hôpital. I'm alive. Je suis thank en vie. You for my family. Merci pour ma famille. Thank you for my church. Merci pour mon thank église. You for my pastor. Merci pour mon pasteur. Thank you for my brethren. Merci pour mes frères. Thank you for my job. Merci pour mon travail. Thank you for the work of my hands. Merci pour les preuves thank de you for my de mes gift. Mains. Merci pour thank mes you cadeaux. For my talent. Lebodosh. Merci pour mes talents. Baratatosha. Baratatosha, 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 lepota basunta, retaka bakosha, bratakos kimbalata katosekete, rente imbata takatabata, leboto, 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 jende menatsun santa lebaka puri indege debashata, lege deba se imbata, lege deba esentalabada. Makata zaba 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 poporoto koza adeke tu etepe sende gede gosha sende gede bedosha agada batosha
Lord, we've come to say thank you, Lord. Lord, we've come to say thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Menina tele lila labato paria tabate shada da da. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Oh, give thanks to the Lord, for he is good. His mercies endures forever. If not the Lord who has been on our side, when the enemies rose up against us, then they would have swallowed us when their anger was kindled against us. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Blessed be the name of the Lord, béni soit le nom de who has not given us as a prey to the enemy. Blessed be the name of the Lord. Remercie l'Éternel for January, pour janvier, for February, pour février, for March, pour mars, April, pour avril, May, pour mai, June, juin, July, juillet, August, September, septembre, October, octobre, November, novembre, December, décembre. Glory to God. Lebatako shata. Lord, we give you thanks, Lord. Seigneur, nous te remercions. Kalibale ke tumbre in la labade shana madoki adade shata. Retana male kanamade tadalade shada da de tuski adada de shada bade. Paranade ke te pale ke te ke te barete te sete. Yena mana matuti adabade shalagade shalabade 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 sha. Ketina mane sentele liba lata leke teke sente na marie talabadesha. Batana na teke kiko kia na bako sherie. Thank you, Jesus. Lord, we bless your name. Seigneur, nous te remercions, nous louons ton nom. Amen. Amen. Donc nous avons une chanson spéciale. We have a special number. Donc nous allons continuer l'adoration. So I go, we are going to continue adoration. Praise. For all you've done for me, for all you've given me, for
call the glory, Lord. That's what you deserve. That's what you deserve. For all you've done for me. For all you've done for me. For all you've given me. For all you've given me. Take all the glory, Lord. That's what you deserve. On peut encore acclamer le nom de Jésus. Put our hands together for the name of the Lord. Donc je vais inviter le pasteur. So I'll invite pastor. Parce que dans notre assemblée, because in our assembly, nous donnons toujours l'opportunité, we give always the opportunity, aux personnes qui souhaitent donner leur vie au Seigneur. So some to people who want to give their life to the Lord. Il n'est jamais trop tard. It's never too late. Donc si vous souhaitez donner votre vie au Seigneur, le pasteur priera pour vous. If you want to give your life to the Lord, the pastor will pray for you. Et nous rendons grâce à Dieu pour notre frère Andrew que Dieu a utilisé ce matin. Then we give thanks to the Lord for our brother Andrew that the Lord used to this morning. Je vais donc inviter le pasteur Bell pour la so suite. I invite Pastor Bell for the next. Hallelujah. Amen. That's all. Wonderful, wonderful message. How many of you are blessed this morning? Combien d'entre vous êtes bénis ce matin? You know, I mean, we are almost at the end of 2021. Nous sommes presque à la fin de 2021. What's a powerful message to remind us? Quel message puissant pour nous rappeler? That no matter all that has happened. Que peu importe ce qu'il s'est passé. There is something il y a toujours that you can thank the Lord for. Quelque chose pour lequel tu peux for remercier l'Éternel. For the fact as I'm talking right now. En parlant maintenant, there are people right now that are transitioning to eternity. Il y a certaines personnes qui sont en transition pour l'éternité. As I'm talking right now. En parlant maintenant, they are breathing their last. Ils sont en train de lâcher leur dernier souffle. As I'm talking right now. En parlant maintenant. Their family members crying. Leur famille pleure. Why, Lord? Pourquoi, Seigneur? Why? Pourquoi? But for this moment. Mais pour ce moment. Grace is speaking on your behalf. La grâce Amen. Parle pour de for pour this toi. Moment. À ce moment. Grace has cancelled it. La grâce l'a annulé. Hallelujah. I think David understood that. Je crois que David l'a compris. When he wrote. Psalm 124. Quand il a écrit dans Psalm 124, he says, if it has not been for the Lord, si ça n'aurait pas été pour l'Éternel qui est de notre côté, let Israel say, qu'Israël dise, if it has not been the Lord who was on our side, si l'Éternel n'avait pas été avec nous, they would have swallowed us alive. Alors, il nous aurait englouti. Reason to be thankful. Hallelujah. Une raison pour être reconnaissant. See, just to be thankful. Juste être reconnaissant. It have a way it affects your brain. Ça a une façon de d'affecter ta mémoire. If you are always ungrateful. If you are always ungrateful. Always ungrateful. Si tu es toujours si tu es toujours ingrat. It also affects the way you. Just your natural living, it just affects you. Juste ça affecte la façon dont tu vis tous les jours. Just like the woman that always come to church and complain. Comme la femme qui vient toujours à l'église et qui se plaint. And sometimes the things we complain on, we have no control over them. Les choses sur lesquelles nous nous plaignons, nous n'avons aucun contrôle sur cela. So why can't we just say, Father? Alors pourquoi nous ne disons pas Père? Thank you for all. Merci pour tout ce que tu as fait. Hallelujah. Alléluia. Because who knows? Car qui sait? The miracle begins. Le miracle commence. With a thankful heart. Avec un cœur reconnaissant. Take a moment to just thank the Lord. Hallelujah. Prenez un moment pour remercier l'Éternel. Again, once more. Je nous remercie une fois de plus. We worship you, God. We thank you for who you are. We honor you, God. We go to work. We come back from work. We go to school. We come back from school. We use the public transport. We use our private vehicle. God, we can visibly see your hand of protection over us. As the psalmist says, if it has not been the Lord, where would we be today? And
By the special grace of God, par la grâce spéciale de Dieu, we shall enter 2022. Nous allons entrer en 2022 with in fact double thanksgiving in avec Jesus une name. Remerciement double. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yeah, I just want to say, Baba. Amen. We may take our seat in Jesus' name. So before we have our offering this afternoon, avant d'avoir notre offrande ce midi, you know, offering is also part of our worship anyway. L'offrande aussi fait partie de nos louanges. So, but we'll talk about that a little bit later. Nous parlerons de ça un peu plus tard. But we have the opportunity. Mais ce matin, nous avons l'opportunité to dedicate de dédier this child cet enfant this morning. Ce matin, the parents of Noah, les parents de Noah, Iromose. Am I right? I'm sorry if I. You come and say it, amen. Hallelujah. So I want to welcome Mr. and Mrs. Je vais accueillir Madame et Monsieur. Udozi. Am I right? Okay. To come forward as we. De venir. Thank God. En remerciant for their wonderful gift, pour leur magnifique cadeau, which is called Noah, qui s'appelle Noah Udoze. Udoze. Hallelujah. Born 15 December 2020. Amen. Let's put our hands together for Jesus. Décembre 2020. Hallelujah. Récemment, reading a story. Je lisais une histoire. No, it was. In fact, it was not. It was not reading, but it caused me to go and study. Je n'étais pas vraiment lire, mais ça m'a fait étudier. I was listening a program on the radio, RMC. Et j'écoutais un programme sur RMC. And they were actually talking about what they called Generation X children. Et il parlait de ce que nous appelons actuellement la génération X des enfants, which is now a great problem, c'est un grand problème for the French government, pour le gouvernement français, which is they termed them as fatherless. Ils les ont appelés en tant que I don't know if you orphelins. For some of you, you so they identify them. Alors, ils se sont identifiés by their character, the way they behave. Ils s'identifient par leur caractère, la façon dont ils agissent. And is they said like they are behaving leur agissement like if life is something you go into the supermarket and buy when you lose it. C'est comme si la vie c'était comme si tu allais acheter au supermarché si tu le perdais. You can see these generation. They are easily to identify. Have you seen them with moto? They want to lift it up. They will be driving and sur une roue.
see them in this, in the, they will not do well in school. Everything that ils is. Ils ne savent pas bien à l'école. So the program was so interesting. So I have to keep on listening. Le programme était tellement intéressant. They have psychologists, they have doctors. Ils ont des psychologues, ils avaient les docteurs. So it says, but they miss one person in that. Yes, they miss somebody in that circle. Mais il manque quelqu'un dans ce cercle. They miss a pastor. Il manque un pasteur. Because everything about a child's life. Car tout à propos de la vie d'un enfant. Begins from the home. Commence à la maison. If you allow, si tu permets, the streets to train your child, à la rue d'élever ton enfant, you lost that child forever. Tu as perdu cet enfant pour toujours. There is this saying, charity begins at. La charité commence à la maison. So as believers, en tant que croyants, when this child is now in the hands of God, si cet enfant est dans les mains de l'Éternel, can I have an amen? Qu'est-ce que je peux avoir un God himself ordered the steps of this child. Dieu va diriger les pas de cet enfant. How can this child be a generation X? Comment cet enfant pourrait être une génération X? It's almost impossible. C'est presque impossible. Because in the scriptures in the book of Psalms. Car dans l'écriture dans les livres de psaumes. It's Psalm chapter 2. Let me just read it. Psaume chapitre 2. His children are heritage of and the blessings from God. Hold on. Psalms 127 verse 3 in fact. Psalm 127 verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And we encourage. Et nous sommes encouragés. You know, and parents. Et les parents. To take these very important steps in a child's life. De prendre ce pas important dans la vie d'un enfant. Remember, even Jesus was taken to the temple. Vous rappelez, même Dieu a été ramené au temple. When he was 12 years of age. Quand il avait 12 ans. Dedicate him to the Lord. L'ont dédié à l'Éternel. And I'm so thankful. Je suis très reconnaissant. Parents still believe. Et les parents pensent toujours. That children are the heritage. Croient toujours que l'enfant sont les héritages. Hallelujah. Hallelujah. So I want us to just join this family. Et rejoignez-nous avec cette famille. As we present this child. En présentant cet enfant. Into the hands of the living God. Dans les mains de Dieu vivant. And dedicate this child. Nous dédions cet enfant. And at the same time, I think it's bad, you know. Yes, at the same time, I think they are celebrating the birthday. Et ils célèbrent aussi l'anniversaire. Amen. Hallelujah. So I want us to join the family. Let us pray in Jesus' name. Et rejoignons la famille, prions au nom de Jésus. Noah Uduze. Amen. So let's pray. Just stretch forth your hand. Join me with prayer. Right? Et imposez vos mains. Father, in the name of Jesus, we lift up this child. Uduze into the graceful hand. Lord, this child came into the world through this parent, and the parents have decided to dedicate him back to you. Which means, oh God, the steps of this child from this day will be ordered by the Lord. This child will not be a failure in life. Amen. This child will not be a liability. Amen. He will not be counted amongst the Generation X. Amen. But he will be a child full of potential. He shall fulfill his days. Amen. Every step of his life will not be wasted. Amen. But it shall be accomplished in the name of Jesus. Amen. I pray, Lord, as he grows up, may he grow up in the way that he should go. That when he's old, he will not depart from the precept of the Holy Scriptures. Because your Bible says that your word is lamp to our footstep. That your word will light the path of every step Noah will be taking in this part of eternity. Amen. He shall grow up.
and fulfill his days. It shall be a blessing. You shall bless his going out. You shall bless his coming in. We therefore dedicate him today in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Congratulations. Amen. Possibly after the offering, we'll do the. Okay. Amen. 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 God bless you. We'll do the. So we want to just bless the Lord this morning. Let me call the ushers. Amen. Ushers, please, let's just come and just be a blessing. Brother Andrew made a statement. Andrew a dit une phrase. He says, sometimes our offering, parfois nos offrandes, we need something from God like a cow or something. Your offering cannot buy a chicken. Notre offrande ne peut pas acheter un poulet. That's a serious statement. C'est une vraie phrase. It made me to remember the story in the book of Chronicles. Ça me rappelle l'histoire dans les livres de Chroniques. There was a plague. There was an issue in Israel. Il y avait un souci à Israël. Where it was caused by David the king. Qui a été causé par le roi David. But through the mercies of God, mais à travers la miséricorde de Dieu, God sent the prophet. J'ai envoyé les prophètes to give David an option on how to stop the curse, the plague that was causing havoc in Israel. Pour comment arrêter la malédiction qui était causée à Israël. He gave him three options. Il leur a donné trois options. Should I hand over you to your enemy? Est-ce que je dois te donner à tes ennemis? Should I take the power from you? Est-ce que je dois t'enlever la puissance? Or, if I can remember the last one, should I kill you? Est-ce que le dernier, je dois te tuer? So David said, no, it is better for me to be handed over into the hands of the Lord, which is good. Et David a dit, c'est mieux que je sois entre les mains de l'Éternel. I don't want to be handed over to the hands of men. Je ne vais pas être dans les mains des hommes. So the prophet ordered David to do a sacrifice. Le prophète a demandé à David de faire un sacrifice. As you know, it's the Old Testament tradition for forgiveness of sins. Et c'est la tradition dans l'Ancien Testament pour le pardon des péchés. So David finally found a land that he wants to give to do the sacrifice. Et David a trouvé une terre où il pouvait faire les sacrifices. So he went to see the man. Alors il est allé voir l'homme. He says, the man identified him immediately that he is David. Et l'homme a identifié directement que c'était David. And he says, no, you are the king, I will give the land to you. Il a dit, non, tu es le roi, je vais te donner cette terre. So David made this very powerful statement. Et David a dit cette phrase. He says, this offering, cette offrande, is not about me. Ce n'est pas pour moi. It's not about you. Ce n'est pas à propos de this toi. This is about God. C'est à propos de Dieu. And I will not give unto the Lord. Et je ne vais pas donner au Seigneur what doesn't cost me. Ce qui ne me coûte pas. Qui n'est pas cher pour I'm so thankful the man was able to understand. Je suis très reconnaissant que l'homme puisse comprendre. That this is not just an offering. Que ce n'est pas seulement une offrande. But this is an offering that is going to stop poverty, all kind of curses and the plague, everything that revolves around your livelihood, God is going to put an end to it and give you prosperity. Et c'est une offrande justement qui va stopper les malédictions, toutes les choses qui empêchent la prospérité dans ta vie. Justement, Dieu va mettre un terme à cela et va donner la productivité. I have seen how God has blessed me. Et j'ai vu comment Dieu m'a béni. I may not be a millionaire. But there has never been a day. Mais il n'y a jamais eu un jour. That Lord have not provided for où l'Éternel us. N'a pas pourvu pour nous. Can I have an amen? Est-ce que je peux avoir un amen? Yesterday, a member of the church called me. Hier, un membre de l'église m'a appelé. Says, Pastor, are you here with your car? Pasteur, es-tu là avec ta voiture? Well, as you know, your pastor, I was thinking he wants me to go and drop him. Et je pensais qu'il voulait que j'aille le déposer. I says no. J'ai dit non. I said yes, I'm here with my car. Et j'ai dit oui, en fait, je suis là avec ma voiture. He said I have something for you. Il a dit j'ai quelque chose pour vous.
Imagine somebody want to bless you, ask for a car. Imagine quelqu'un te demande une te demande si tu as une voiture pour te bénir. It should have been easy. Oh, pastor, let me just come and bless you with this envelope. Or let me bless you with this. Il aurait été facile, pastor, de te bénir avec cette enveloppe. So immediately my head changed. Et immédiatement, dans ma pensée, ça a changé. Et ça a commencé à changer. He said, I have something for you. J'ai quelque chose pour toi. But I need your car. Mais j'ai besoin de ta voiture. Now you must understand what I'm, where I want to go. Maintenant, comprenez où je veux aller. This is not something you carry by hand. Ce n'est pas quelque chose que tu peux porter par la main. This is not something you carry by bag. Ce n'est pas quelque chose que tu peux porter dans le sac. This is not something you carry by envelope. Ce n'est pas quelque chose que tu peux porter dans l'enveloppe. This is something you carry by car. C'est quelque chose que tu vas porter avec une voiture. I pray that a bumper envelope blessing will come to you, Jesus. Et je prie qu'une grande enveloppe vienne. I said yes. I said okay. J'ai dit d'accord. He said okay, let's go. Il a dit bon, partons. So we went out. Alors nous sommes sortis. Brother opened his own car, the boot of his car. Et le frère a ouvert l'arrière de sa voiture. Honestly, this is true. C'est la vérité. My wife, Mathilda. Ma femme, Mathilde. Are you here? Est-ce que tu es là? The blessing that brother blesses me. La bénédiction que ce frère m'a béni. I think it will last until June 2022. Hein? Je crois que ça. This is true story. June 2022. Tell me, how can I not preach better? How can I not believe God better? Comment how puis-je can pas I croire? Yes, God can do it. Comment puis-je pas dire? Comment puis-je dire Dieu peut le faire? I'm not trying to say. Je n'essaie pas de dire que. Pastor is trying to beg for more blessing. Yes, if pastor, you can bless me. Pasteur demande plus de bénédiction. Oh yes, yeah, bless me. Si vous pouvez bénissez-moi. Some kind of this surprise. Mais certaines de ces surprises. We came for youth program. Nous sommes venus pour les jeunes. Le programme des jeunes. Oui, nous sommes venus pour les jeunes, pour le programme des jeunes. And God turned my youth program. Et Dieu a tourné mon le programme des jeunes. Into an adult program. In fact, it's a world food program. World food program. WFP. World Amen. Food. Amen. D'accord. So I might be choose some of you people for lunch one of these days. Et je vais choisir certaines de ces personnes pour manger. Because we are really, my Christmas is settled. C'est bon, hallelujah. So this is what I'm saying. Et c'est ce que je dis. Somebody giving you must feel it. You feel that this. Tu pour donner, amen. Tu dois sentir. This is what David says. He says, you know what? C'est ce que David a dit. I will not give unto God. Je ne vais pas donner à Dieu. What doesn't cost. Ce qui n'a pas de valeur à mon cœur. Amen. Amen. So we're talking about quality. Alors nous parlons de qualité. We're talking about something that God will look at nous this nous parlons morning. À ce que quelque chose que Dieu va regarder ce matin. He said yes. Et il dit oui. I'm going to return back. I'm going to locate the. Je vais localiser. Where this blessing comes from. Là où cette bénédiction. Là où d'où vient cette bénédiction. Press down. Écrasé. Shaken. Secoué. Bouger, secoué. Running over. Et débordement. I shall give unto you. Je te donnerai. Let us bow down. Just speak over your offering, you know. Et parlez sur votre offrande. This will not be your last offering ce anyway. Ce ne va pas être votre dernière offrande de toute façon. For God will open doors. Mais Dieu va ouvrir les portes. That you will have so much to give to the et Lord. Et vous aurez tellement à donner à l'Éternel. In Jesus' name. Amen. Father, as we give this morning. Hallelujah. En donnant ce matin. May you accept our offering. Accepte nos offrandes. As a sacrifice of praise. En tant que sacrifice de louange. Today the message is about thanksgiving. Aujourd'hui le message c'est à propos du remerciement. We are returning back. Nous retournons. To say thank you. Pour dire merci. With our tithes. Avec nos dîmes. And our offerings. Et nos offrandes. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Stand on our feet. This kind God, oh, I never see your kind, oh. This
sickness into health, Baba. Blessed be your holy name. This kind God, oh. This kind God, Baba. I never see your type, oh. Hey, Baba, Baba. This kind God, oh. Blessed be your holy name. Amen. Amen. Donc, alors, avant que le pasteur ne prie pour l'anniversaire, donc tout à l'heure, donc on va inviter la jeunesse faire l'annonce. Before et ensuite le pasteur. Before Pastor pray for Noah, we want to call on the youth to come up. Donc, on va acclamer la présidente de la jeunesse pour l'encourager. Hein, c'est la sœur Vivine. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Ça va juste être une petite annonce. It's just a small announcement. C'est pour remercier toutes les personnes qui sont venues lors de notre quiz hier. It's just to thank everybody that took their time to come yesterday. C'était vraiment exceptionnel. It was really exceptional. Et que le Seigneur vous bénisse. And may God bless you. As you see, we had a good time there. Et il y a le frère Benji qui a beaucoup insisté pour que je parle de vainqueurs. Brother Benji told us to tell us who won. Et hier, du coup, nous avons eu plusieurs vainqueurs. Frère Benji, la sœur Asena, la sœur Glory. Yesterday we had multiple winners. We have 4 winners. Brother Benji, Sister Asena, Sister Njoki and Sister Glory. Et la sœur Njoki, du coup, elle a dit. Et nous vous remercions et du coup, nous vous invitons lors de nos événements. So we just want to thank those that come and we would like to invite you for our upcoming event. Voilà, venez nombreux lors de nos événements et que le Seigneur vous bénisse. Next time when we have an event, we invite you, so we would like to invite you to come again. Et pour ceux qui s'intéressent à la jeunesse, vous pouvez vous adresser directement à nous, à un des membres de l'équipe. And those that are interested in the youth group, you can talk to either Divine Fulgence, myself or Brother Greg. En tout cas, c'était génial. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. It was really wonderful and we would just like to say thank you. Awesome God,
prier pour Noah. Si le protocole peut disposer la table, le gâteau, pour que nous puissions souhaiter un joyeux anniversaire à Noah. Well, we want the ushers to get the table ready. Pastor wants to pray as we celebrate the birthday of little Noah this morning. Donc voilà, nous profitons à remercier toutes les personnes qui nous suivent en ligne dans les réseaux sociaux. We want to thank all of you that we are following online. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. We want to invite you again next week Sunday. Sur Facebook, on YouTube. On our Facebook, on the YouTube page. Et que Dieu vous bénisse. And God bless you all this morning. Have Amen. A blessed week. God bless you. Hallelujah.